À la cigarette. Ah, mais moi je suis allergique aux vieux. Mais moi aussi. Je m'appelle Jacqueline et tous mes potes m'appellent Jack. Ouais, bah, salut Jacqueline, moi c'est Alexis et mes amis m'appellent sur WhatsApp. Pardon. Non mais laissez tomber. Mais qu'est-ce que vous faites tout seul dans ce parc avec cet air si triste? Mon petit ami m'a laissé tomber. Pas de bol. Mon mari est resté, hélas. Mais non, je plaisante. Et à part vous faire plaquer, vous faites quoi dans la vie? J'étudie le théâtre au conservatoire. Mais ça aussi, je vais laisser tomber. Ça, je vous comprends, hein. Le théâtre, c'est nul. Et je sais de quoi je parle, j'en possède. Vous avez le théâtre? Non, mais arrêtez votre cinéma, là. Non, je vous dis la vérité, je joue pas la comédie. Non, mais je vous crois pas. N'auriez pas une cigarette. Mais je croyais que vous détestiez ça. Allez, allez. Mais vous faites quoi, là? Ah bon, pour la voix, au théâtre, il faut une bonne voix. J'ai jamais fumé, ça m'a beaucoup servi. Ah, j'ai joué tellement de pièces, ça, je peux pas dire combien. Je croyais que le théâtre, c'était nul. Alors, tout ce qui est nul, c'est ce que j'ai trouvé. Vous êtes compliqué, hein? Mais non, c'est la vie qui est compliquée au théâtre. Tout est simple, ça finit bien, c'est une comédie. Ça finit mal, c'est une tragédie. Simple comme une évidence. La vie, c'est simple, ouais. Enfin, la mienne, en tout cas, tragédie du début à la fin, hein. Parents divorcés, école catholique chaotique, pas d'avenir. Et le conservatoire, alors? Ça ou autre chose. Oh non, mon petit Jean-Louis, quand on joue une tragédie, on la choisit, on s'y donne à fond. Hein. Alors moi, c'est Alexis, déjà. J'ai pas la mémoire des prénoms, désolé. J'ai retenu tellement de mots, de phrases, de textes. Les prénoms, jamais. Ah ben moi, je retiens mieux les prénoms que les textes, j'ai pas de mémoire. Ben vous avez la mémoire des prénoms, c'est un bon début. Enfin, avec ça, j'irai pas loin. Quel est votre meilleur souvenir de petit garçon? Je crois que c'est quand je suis allé à Disneyland avec mes parents. Bon, alors, ils étaient pas encore divorcés et je me souviens de tout, quoi, de toutes les attractions, de tous les décors, toutes les super bonnes choses qu'on avait mangées. Et puis l'aller-retour en train aussi, les paysages entre ici et là-bas, c'était magique. Vous voyez, vous avez de la mémoire quand ça vous touche. Ah, mais oui, mais forcément, c'est des trucs perso. Au théâtre, c'est pareil. Un personnage, ça s'approche, ça s'apprivoise, ça se mange, ça se déguste, ça se digère. On devient le personnage, on est ce qu'il est, on dit ce qu'il dit. Quand on a compris ça, on n'a presque plus besoin d'étudier, ça vient tout seul. Hein. Enfin, vu comme ça, ça a l'air facile et puis tout le monde peut le faire. Oui, Sacha Guitry disait, tout le monde peut faire du théâtre. Parfois même les acteurs. Moi, je connais pas votre Guitry, là. On m'a juste dit en cours que c'était un vieux réac. Mais vaut mieux être un vieux réac intelligent et drôle qu'un jeune con idiot et ennuyeux. Vous dites ça pour moi, mais merci. Mais non, je dis ça pour tous les jeunes cons qui croient tout savoir. Votre ex-petit ami, par exemple. Vous ne connaissez même pas. S'il vous a quitté, c'est qu'il est con. Et s'il est con, il est forcément ennuyeux. Mais vous êtes comique, vous. Ah, c'est drôle. Ça m'a toujours dit que j'avais une tête tragique. Un jour, un metteur en scène m'a dit, moi, je ne peux pas vous employer, hein, vous êtes coupé en deux. Tout le haut, tragique, tout le bas, comique. Ça m'a longtemps intrigué. Vous avez fait quoi, alors? Moi, j'ai triomphé, là. Des comédies dramatiques. Et parlons un peu de vous, quels sont vos rêves, vos passions? Je ne sais pas, moi. Ouais, j'aimerais bien avoir une vie cool, déjà. Un mec. Bah, peut-être même une maison à la campagne, je crois que ça me plairait, ça.
Ça, c'est un plan et pas un logement, hein. Moi, je parle de vos rêves, de vos passions, qui nous fait chavirer le cœur, retourner l'estomac, couper le souffle, les jambes et tout le reste. La vie, quoi. Ah ouais, mais bon, c'est facile pour vous, vous êtes à la fin de la vôtre. Oh, oh, oh. Enfin, presque. Enfin, je veux dire, moi, je suis au début, voilà, et c'est pas facile aujourd'hui non plus pour un jeune de rêver, hein. Entre la crise, le chômage, le terrorisme, et les virus. Oui, c'est vrai, moi, je n'ai connu que la guerre et la tuberculose. Le plein emploi avec des bas salaires et l'accouchement avec douleur. Beaucoup plus drôle. Chacun sa merde. Hein. Chacun son bonheur, un peu d'optimisme, mortel de merde. Cause toujours, mamie. Bon, je prends ça pour un signe d'un début d'affection. Tenez, prenez ça et lisez-le. Attendez, voir que je le trouve. Oh, excusez-moi. Oh non, Shakespeare, hein. Un vieux rêve de l'ancien temps encore. René, lisez, on en reparlera la prochaine fois. Ah, parce qu'il y aura une prochaine fois. Oui, je l'espère bien, j'aime bien vous voir. Vous m'avez amusé, c'est très très bien. Ouais, c'est vrai que je me suis pas trop fait chier finalement. Mais bon, là, faut que j'y aille. Hein. Quelque chose d'important à faire. Ah non, mais à fond, faut que je m'achète des clopes. Des clopes. Oh. Deuxième brisette. Attention. Oh, parce que vous avez aussi un talent de flûtiste. Mais n'importe quoi, c'est une cigarette électronique. Mais ça sert à quoi? Mais arrêtez de fumer. Pour remplacer un vice par un autre. Ça va, c'est pour m'aider. Un prompteur, un computer n'a jamais aidé personne à avoir de la mémoire. Hein. Une seule méthode, commencer à étudier, une seule méthode. Arrêtez de fumer dans les deux cas. Faut de la volonté, le reste du picot. En parlant de volonté, hein, votre Roméo et sa Juliette, ils en avaient de la volonté. Vous avez vu où ça les a menés? Et où, à votre avis? Ah ben nulle part, ils sont morts tous les deux. Réfléchir un peu à cette magnifique histoire. Tragique, vous voulez dire. Tragique, ça vaut mieux que l'ennui. Et puis, c'est pas une véritable histoire, c'est une allégorie. Une allégorie quoi? Un truc un peu excessif, pour mieux faire comprendre de quoi il s'agit. Non, mais j'ai bien compris, hein, morts tous les deux, là, trop sardi. Et de trois morts. Et de quatre. Roméo, Juliette, Bizarre, pardon. Arrêtez de massacrer la langue française pour avoir l'air d'être dans le coup. Ouais, je vois, vous aussi vous êtes réac. Non, mais c'est pas parce qu'on dessine des moustaches à la Joconde qu'on est forcément branché, mon petit gars. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit un truc zarbi. Non, non, c'est quand vous m'avez appelé mon petit gars, voilà, ça m'a rappelé ma grand-mère. Ah! Ouais, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Mon petit gars. Oh, je l'adorais, ma grand-mère, j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Ouais. Maintenant, elle est au ciel et elle me voit. Ça, c'est sûr. Elle était indienne. Hein? Pardon. Elle était peau rouge. Ça va, vous êtes cinglé, vous, en fait.
Enfin, il n'a pas de honte à être indienne ou peau rouge, hein. C'est pas la question, mais il n'était pas peau rouge. Alors arrêtez de lui envoyer des signaux de fumée. Comment revenir à Noël Shakespeare sans aller jusqu'à la mort? Il faut vivre sa vie, c'est ça, être jeune. Ouais, c'est ça, je vois, de vous deux, c'est... Enfin, de nous deux, c'est vous la plus jeune, quoi. La jeunesse, ça vient avec l'âge. Mais j'ai du mal à vous suivre, là. Non, mais vous êtes sur la bonne voie, hein. Ça c'est une question de souffle, hein. Il suffit de vous libérer de vos chaînes. Enfin, ça va, je suis pas un esclave non plus. Mais c'est pas de votre faute. C'est l'éducation qui veut ça. Depuis la naissance, on est enchaîné. Le cordon ombilical, la gourmette de baptême, la chaîne de première communion, le contrat de mariage, la bague de fiançailles, le contrat de vacances, enfin tout jusqu'au cercueil, en chaîne, lui aussi. Ça va pas, mais comment vous pouvez rigoler avec la mort? On rigole plus facilement avec ce qu'on connaît bien, hein. Je l'ai déjà drôlement côtoyé, la mort, moi, dans ma vie. Hein. Des amis, des copains, des proches, des... Ça va? Oui, un souvenir douloureux. Mais la vie reprend son cours, il faut tordre le cou à la mort. Moi qui ai déjà pensé au suicide, tu es vraiment trop con. Moi aussi j'ai pensé au suicide, mais jamais au mien. Vous êtes vraiment comique, vous. Hein. Je m'entraîne tous les jours, hein. La vie est trop courte pour mourir avant l'heure. Oh là là, dites à propos d'heure, faut que j'y aille, moi. Mais quoi, un rendez-vous important? Ah donc? C'est mon Nathan. C'est qui? C'est votre mari? Oh non, mieux que ça. Je vous expliquerai demain. Ok, à demain. Eh bien, moi aussi, j'avais envie de vous voir. Bon, bah alors... Alors quoi? Mais attends, comment c'était? Grand Dieu! Les feux de l'amour! Ça fait pas honte à votre âge, franchement. Oh là là, si vous aviez Adam comme amant, vous diriez pas ça, hein? Votre amant? Mais je croyais que c'était votre mari, moi. Oh, mon mari, c'est Christian, depuis longtemps. Il l'aime pas trop, mon Adam. Ah, il est au courant. Ah, il accepte. On est bien obligé. Oh, c'est mon Adam, c'est mon Éden. Mon paradis à moi. Ben là, je suis choqué, là. Enfin, c'est un personnage de fiction, de feuilleton. Je viens de vous le dire, les feux de l'amour. Non, cette connerie pour mes mères, là. Ce truc pour les ménagères de plus de 50 ans, là, comme ils disent à la télé. C'est ce que j'ai, un peu plus de 50 ans. Ben, vous suivez pas la série, là? Ah non, 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 c'est vraiment trop nul, non. Ah non, toutes ces histoires là, avec Victor et Mickey, et puis il avait Catherine Chanceur, et alors du coup, qui trompe Sharon avec Phyllis, ça c'est vraiment bien sûr, j'en étais sûr, comme les autres. Mais quoi? Et comme tous les intellos qui suivent pas la série, mais qui connaissent tous les personnages. Hein. Ça va, vous avez gagné. Vous savez, on peut aimer le caviar et craquer de temps en temps pour une fille de mayonnaise. Je comprends pas. J'ai un très bon ami, metteur en scène intellectuel, cultivé, universitaire, passe sa vie entre Nietzsche et Kierkegaard. Fan de la télé, hein, CQFD. Ça reste un truc de ménagère en tout cas. Hein. Mais c'est ce que je suis, la ménagère d'une grande maison, lessive, nettoyage, entre ça, je puis tout le reste. Bah, votre mari, vous n'êtes pas? Ah, si, il faut le bordel, ça m'énerve. Mais je veux dire, vous vous entendez bien, quoi. Véritable complicité. On se comprend, ça.
Enfin, lui surtout. Moi, j'ai de la peine, hein, c'est un scorpion. Vous croyez à ces conneries d'horoscope ? Non, 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 aux horoscopes, non, mais aux scorpions, oui. Oh là, j'en connais les scorpions. Tous pareils, déterminés jusqu'à l'absurde. Connaissez pas la fable du scorpion et de la grenouille ? Non. Alors là, c'est un scorpion, il s'y voit nager, il doit traverser la rivière. Alors il demande à la grenouille de grimper sur son dos. La grenouille dit, ah non, 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 là, au milieu de la rivière, vous allez me piquer. Non, 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 non. Enfin, dit le scorpion, si je vous pique, on coule tous les deux. Oui, ça c'est vrai, dit la grenouille, alors allez-y. Et au milieu de la rivière, le scorpion la pique. Vous voyez maintenant, dit la grenouille, on va mourir tous les deux, mais pourquoi ? Ben, je sais pas, du scorpion, c'est dans ma nature. Vous voyez, c'est pas facile, hein, mais on s'y habitue. N'empêche, pour en revenir au feu de l'amour, là, oui. Alors moi et mes potes, ça me fait vraiment bien marrer. Hein. Ah bon. Même mon ex, il a appelé ça les feux de l'humour. Oh hein. Surtout quand il y a la vieille Gloria là, qui ressemble à une momie. Ah, oh, vous moquez pas des momies. Non, mais ça va, je dis pas ça pour vous, ma mie. Mais je dis pas ça pour moi non plus, mais les momies, ça m'intéresse. Je suis égyptologue. Ah oui, sans blague. Moi, je croyais que vous étiez comédienne, par oui, exemple. Oui, entre autres, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Hein. J'ai vendu des vêtements pour enfants, j'ai vendu des jouets pour adultes, vous voyez ce que je veux dire. J'ai été infirmière, ça a fait plaisir à mon père, le conservatoire à Paris. Ah, mais c'est ça l'accent français. Oh, que cher Pichou de l'accent. Mais je viens du sud, moi, Maison-la-Romaine. Arrive en Belgique, on m'appelait Marius. Je vous raconterai ça une autre fois. Demain ? Ah non, demain je suis sur une brocante. Vous allez acheter quoi ? Moi, j'achète pas, je vends. Des meubles que je rafistole avec ma fille, on leur donne une nouvelle jeunesse. Bah, décidément, vous êtes pleine de ressources. Jamais fatigué alors ? Jamais malade ? Jamais malade. Sauf une maladie un peu étrange et rare, le syndrome de Gilbert. C'est quoi ? Ah bah je peux prendre aucun médicament, pas même une aspirine. C'est vous dire que j'ai intérêt à être en bonne santé. Mauvaise affaire pour les médecins. Ah oui, bien que mon père en était là. Je les aime pas trop, hein. Grâce à eux, avec un peu de chance, on meurt guéri. Bah ouais, tout ça c'est dans la tête quoi en fait. Non, 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 non. Il y a de véritables maladies, hein, mais tout dépend comment on les gère là, dans le cerveau. Bah ouais, c'est vrai que moi par exemple, mais au conservatoire, quand je suis malade, dès que je me mets à jouer, ben ça va mieux, mais j'oublie que j'ai mal, quoi. Oh. Mais même les douleurs physiques, hein. Comme si la santé de mon rôle influençait la mienne, ouais. C'est ce que démontre le malade imaginaire de Molière. Molière, encore un vieux, là. Enfin, moins réac que Guitry, quand même. Vous marquez un point, mais le talent excuse tout. Et puis, tu ne dis pas que les vieux, Guitry, Molière, etc., il y a aussi les contemporains. Ouais, on n'en parle pas trop en cours, hein. Pourquoi vous croyez qu'on appelle ça le conservatoire ? Bon, il faut les lire, les contemporains. Éric Emmanuel Schmitt, Éric Assous, Loris Feuillot. Mais vous ne pourriez pas me faire une liste avec ceux que vous aimez ? Oh, avec plaisir. À propos de liste, il faut que je fasse des courses avant de dîner chez moi ce soir, 20 personnes. Oh, purée, ça va être chaud à préparer. Ah, c'est meilleur quand c'est chaud, hein. Mais pas de purée ce soir. Julie comme carnet pour tout le monde. Bah c'est bien, après vous allez être crevé, vous allez bien dormir. Oh, déjà que je dors très peu. Et encore moins quand mon vieux chien il tousse toute la nuit. Je lui pardonne tout. Il a 19 ans. Bah, en âge humain, ça fait un bon centenaire. Hein. Ah oui, on peut dire ça et même plus. Mais il tient encore bien sur ses pattes. Hein. Et puis sur tous ses bras aussi. Ses bras. Je l'ai appelé Shiba. Shiba, non, le dieu indien, non, ça l'aide à tenir debout. Alors, dans deux jours. Ah non, 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 après-demain, je peux pas, je suis overbooké. Overbooké. Bah ouais, je travaille le rôle de Roméo, il y a du boulot. Trouvez-vous une bonne Juliette. Souvenez-vous, identification. Ça va, j'y pense. Au revoir quand même, hein. Thank you.
Le disco, j'adore ça. Ah non, c'est trop ringard, hein. Moi, je suis plutôt électro-pop. Oh là là, peu importe le nom, hein. Du moment que ça nous fait bouger et que ça nous fait pas humeur. Alors, ça boum. Oui, si on veut. Faut le vouloir. Quel est le problème, Juliette? Moi, je parie qu'on vous a calé un partenaire qui nous plaît pas. Non, ça va, c'est... Enfin, c'est Zarbi, quoi. Zarbi, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Alors, quel est le problème? C'est une fille qui joue Juliette. Mais pour jouer Juliette, vaut mieux. Hein. Ah oui, je sais, c'est pas ça, elle est jolie, mais... Enfin, c'est la scène du baiser qui va pas... Et pourquoi non? Alors, hier, elle m'a vraiment embrassé, mais je veux dire, avec la langue et tout, comme ça, elle m'avait même pas prévu, j'étais pas prêt. C'est surprenant. Non, mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai aimé ça. Enfin, je ne suis pas devenu hétéro quand même. Ça, c'est à vous de voir. Faut tout essayer dans la vie. Hein. Avant, on ne sait pas, quelquefois même après, on hésite. Mais comment ça? Et puis, là, mon ami le metteur en scène dont je vous ai parlé m'a dit, dans une prochaine vie, chez hétéro, ce sera peut-être plus gay. Compliqué, hein, tout ça. Mais non, c'est la vie qui est compliquée. Les gens, ils foutent tout dans des cases. Homo, hétéro, gauche, droite. On peut changer d'avis dans une vie comme on peut changer de rôle au théâtre. Oh, ça fait plaisir au public. Et vous, alors, vous en êtes où? Moi, les souvenirs suffisent, mais... Enfin, pas toujours. Mais moi, pour les souvenirs, il faudra que j'attende encore un peu. Mais ça, c'est pas les souvenirs, c'est le passé. Vous, c'est le futur. Enfin, là, mon futur, c'est d'expliquer à ma Juliette qu'elle fait fausse route. Enfin, pour l'instant, du coup. Enfin, quoi que vous choisissiez, bon Dieu vous pardonnera. Ouais. Pardon, mais pourquoi vous me parlez de Dieu tout d'un coup? Parce que c'est mon pote, je vous l'avais pas dit. Non, vous ne m'avez jamais dit. Enfin, ça, c'est ma vie privée. Hein. D'ailleurs, si la religion restait dans le domaine du privé, il y aurait moins de portes. Hein. Voilà. Par contre, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'y aille. Hein. On se voit ce soir? Deux fois par jour, maintenant. Mais c'est qu'on s'attache. Bah oui, et alors bah ouais, je vous kiffe bien en ce moment, voilà, ça dérange quelqu'un. Non, pas moi en tout cas, mais quand on s'attache, on est moins libre. Et je tiens à votre liberté. Qu'est-ce que vous pouvez être chiante? Enfin, un compliment. Vous savez, sur les chiants qu'il faut avancer le monde. Les autres, là, les moutons de panure, jusqu'on tente de suivre. Pensez-y. Ça va, j'y pense. Oui, j'y pense. Et puis j'oublie. J'y pense. Et puis j'oublie. Mais ça va pas, non? En fait, ils sont vous chassés. Mais les Pokémon, bien sûr. Pardon. Un Pikachu. Qui? Un Pikachu, c'est le chef, voilà. Allô, la lune, ici la terre. Je comprends rien, c'est cool. Oh, ça y est, je l'ai eu. Moi aussi, je l'ai eu. Mais quoi? Ce putain de moustique. Alors, vous m'expliquez. Alors,
C'est un jeu virtuel, hein, où il faut attraper des Pokémon avec son GSM. Et avec ce jeu virtuel, où il faut attraper des Pokémon avec son GSM, qu'est-ce que vous en faites après? Je l'ai fait combattre contre d'autres Pokémon, je l'ai fait évoluer, enfin tout le monde fait ça. Alors je dois pas être comme tout le monde. Toujours plus maligne que les autres. Mais non, moi je croyais qu'on se voyait pour papoter. Maintenant les gens sont pendus à des téléphones. Qui téléphone plus? Ben, ça doit être ça le futur. Plein de moyens de communication, plus rien à se dire. Ah, mais plus, c'est plus de connexion maintenant, là, plus de 4G. Dieu, oh, ça va, hein. De toute façon, ma batterie est presque morte avec ces conneries. Personne. Alors, Juliette s'est calmée ou vous continuez vos cours de langue? Le problème est réglé. Roméo n'est pas hétéro. Voilà qui va surprendre Shakespeare. Enfin, elle m'a dit que c'est arrivé dans le feu de l'action alors qu'elle n'avait pas contrôlé l'émotion de son personnage. Voilà. La chance que vous avez eue. Pourquoi? Imaginez qu'elle ait joué Jack l'Éventreur. Vous ne pouvez pas rester sérieuse deux secondes. Hein. Diable Dieu m'en garde, hein. Jamais triste, alors jamais de mauvaise humeur. Ah si, justement, aujourd'hui je suis malheureuse et fâchée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon Adam est parti, je ne le ferai plus. Ça va, pendant deux secondes j'ai cru que vous étiez sérieuse. Moi. Mais je suis sérieuse. Une catastrophe, un cataclysme, un tsunami aussi. Enfin, ça va, c'est du virtuel, c'est que de la télé, c'est pas grave. Faut que t'en aussi, hein, c'est du virtuel, quand vous en ratez un, c'est grave, non? Alors, Pokémon, oui, pas oui. Pokéton. Puis si j'en ratez un, ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Ben non, pour moi non plus, mais j'avais pris l'habitude de ces rendez-vous de midi, moi. Ce sera plus pareil sans lui. Oh, t'es si beau, mon Adam. Fini le paradis. Oui, enfin, rassurez-vous, je le retrouverai sur Internet. Attention, vous allez succomber aux nouvelles technologies. Oui, là, vous marquez un point. Bon, allez, marre de parler de télé, là, parlez-moi de, je sais pas, mais de votre théâtre. Tiens, parlez-moi de votre théâtre. Vous avez le temps de cette vie devant vous? À ce point-là? Bon, non, mais allez, je sais pas, ça va être quand même génial d'avoir son propre théâtre, rien qu'à soi. Génialement compliqué, parfois. Génialement passionnant, toujours. Génialement frustrant, souvent. Bah, compliqué, j'imagine. Passionnant, je comprends. Bah, frustrant, je vois pas comment, par contre. Mais oui, on veut toujours que ce soit mieux, que ce soit parfait. Mais oui, parfois, on y arrive. C'est plutôt bien, ça, non? Non, on veut encore que ce soit mieux, inoubliable. Alors on angoisse, et plus on prend en expérience, plus on angoisse, et sans fin. Non, mais le trac, ça disparaît avec l'âge. Oh, détrompez-vous. Plus je joue, plus j'ai le trac. Puis, il faut aussi supporter les états d'âme. Les comédiens, des metteurs en scène, une drôle de race, hein, ces gens-là. Vous exagérez pas un tout petit peu? Ah non, ce soir je peux pas jouer, mon petit ami à la grippe. Mais Jacques, ma chérie, mais ton théâtre, il fonctionnera jamais, ça sent pas le citron. Deux coups de sacoche. Tu enlèves cette affiche tout de suite, hein, je veux la mienne, perso. T'as vu ma tête sur Facebook? C'est mon mauvais profil, hein. Là tu m'as raté, hein. Mais qu'est-ce qui fait froid dans cette loge? Oh, mais qu'est-ce qui fait chaud sur ce plateau? Et puis ces spots, là, oh là là, ça m'aveugle, hein, tes spots. Mais qu'est-ce qui fait noir ici? Moi, je peux pas lire des copions, hein. Qu'est-ce que tu vas comédien tous les soirs, on le demande. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. Sacha Guitry, d'ailleurs, se moquait lui-même à ce sujet. Lors d'une interview télévisée, il se plaignait des spots qui l'aveuglaient. Alors le réalisateur, Fibouche, lui dit « C'est pour qu'on vous voit mieux, monsieur Guitry. Alors, inondez-moi de lumière. » Ça aussi, ce sont les comédiens. Et vous alors, hein, pas d'exigence particulière? Aucune. Moi, je suis une exception. Ah bon? À part arriver le plus tard possible au théâtre pour ne voir personne, prendre un grand café à l'enfilé. Et de lait, ne pas aller trop vite dans les loges pour ne pas subir les confidences, à avoir le portrait de mon Adam sur mes bras, ne pas jouer de pièces de boulevard ou de pièces vulgaires,
J'aime pas trop David. Mais j'adore Vincent Niclot. C'est tout. Oui, c'est tout. Ah ben vous voyez, je suis pas comme les autres. Enfin, un peu quand même. Vous croyez? Mais oui. Mais vous jouez quoi en ce moment? Entre chats, de Pascal Frébos, sur une très belle histoire de complicité entre une grand-mère et sa petite fille. Un peu comme nous, quoi. Ah, c'est gentil de dire ça. Ah, mais j'ai une idée. Vous avez calmé la brochure demain et puis comme ça, vous me ferez répéter. Vous êtes sûr? Mais oui, vous avez dit qu'il fallait que je connaisse les auteurs d'aujourd'hui. Vrai boss, c'est le mec qu'on bat sur RTL. Oui, c'est lui. Mais voilà, parfait. À demain. Avec les animaux. Les animaux? Oui, les chats. Entre chats. C'est quand ils sont pas là, hein, que les souris dansent. Alors, un petit peu d'articulation. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. U. Entre les dents, le crayon. Ah, mais c'est vraiment indispensable, ça. Une technique de Molière pour l'articulation. U. Combien sont ces 6 en 6, ceci sont 6, ces 6 en 6, ceci sont 6, sont 6 sous. Si ces 6 en 6, ceci sont 6, sont 6 sous. Ces 6 en 6, ceci sont 6, sont 6 chers. 6, ces saucisses sont aussi des saucissons. Ces 6 saucisses sont... Oui, d'accord, j'ai compris, vous êtes végétarien. Alors, un petit peu de lecture. Au grand mi, je t'ai connu plus forte et plus futue. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Là, pour le moment, ce n'est pas vraiment terrible. Au grand mi, je t'ai connu plus forte et plus futile. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Mais le sonotone du second rang, il a payé sa place, faut qu'il entende. Au grand mi, je t'ai connu plus forte et plus futile. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Oui. Alors, un petit peu de mémoire. Ça va, je connais. Au grand mi, je t'ai connu plus forte et plus... Plus fut-fut, quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Oh, encore une petite fois pour mon plaisir personnel. Oh. Rami, je t'ai connu plus forte et plus fut-fut, quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Petite dernière fois. Oh, grand mi, je t'ai connu plus fort et plus fête-fête. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Je vais pas comme ça. Oh, grand mi, je t'ai connu plus fort et plus fête-fête. Quand ils vont rentrer, ça va être terrible. Oh, bah voilà, suffisait de mon. Avec vos techniques de vieux aussi, on s'en sort pas. Hein. Je suis content, on va bien travailler. Moi, je suis crevé. Oui, mais ça, c'est un métier, hein. C'est un métier, être comédien. Pourtant, quand on les voit sur scène, ça a l'air facile, hein. Mais pour le public, ça a l'air facile. Le plus beau compliment qu'on puisse faire à un comédien, d'ailleurs, c'est du poids, tu travailles pas, tu t'amuses. C'est quand on voit plus le travail qu'on peut commencer à jouer. Ça va, j'ai bien retenu la leçon, mon chef. Par contre, je n'arriverai plus avec vous, hein. C'est trop dur. Hein. On va faire le conservatoire, ils sont bien plus cool. Bah oui, mais ils ont plus de temps, hein, 5 ans. Mais on continuera à se voir. Mais oui, mais bien sûr, mais pour parler, quoi. Mais vous me raconterez votre vie, et puis votre arrivée en Belgique, promis. Et toi, tu me parleras de ta vraie grand-mère, promis. Promis.
Croix de bois, croix de fer. Si je mens, tu vas en enfer. Si j'ai envie. Il a dit pourquoi? Ouais, ben, je trouve que j'ai changé, que je suis plus cool, plus confiant, ça lui plaît. Mais toi, ça te plaît? Je sais pas, justement, moi j'hésite. Tu vois, d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît déjà. Parce que quand on a rencontré un nouveau, faut se présenter, faut parler de soi, faut se mettre sous son meilleur jour, c'est épuisant, ça fait examen oral. Et puis en même temps, ce qui est bien, c'est que quand on a rencontré un nouveau, tu vois, on peut enjoliver le scénario, cacher les défauts, fin draguer, quoi. Enfin bon, lui, je le connais avec les qualités et les défauts, donc plus de mauvaises surprises. Mais plus de surprises non plus. Ça fait un peu réchauffer, hein. Le réchauffer, c'est parfois meilleur. Mais non, mais tu m'aides pas, là, hein. Tu sais, en amour, on est tous des gamins, hein. On y va en tâtonnant. Puis à propos, sur ce plan, ça marchait entre vous? Mais quel plan? Mais plan cul! T'as vraiment peur de rien, toi, hein? Si on est entre adultes, tu peux tout me dire. Enfin, c'est ma vie privée, pas privée, tout pour le moment. C'était top, mais bon, là non plus, plus de surprise. Mais la surprise, ça se crée, faites ça à plusieurs. Alors, ça va pas, non? Qu'est-ce que t'es, toi, s'aime? Alors mes 68, ça servit à rien. Je sais pas, on s'aime, j'ai pas envie de partager, excuse-moi. Il faut pas confondre sexe et amour. Hein. Oui, quelquefois au début, ça va ensemble. Mais le sexe, ça passe, l'amour, ça reste. Et puis, pour ne pas se tromper, bah, alors il vaut mieux partager, ça met du piment et caramba. Pour la cuisine mexicaine, je crois que je vais attendre encore un peu. Enfin, c'est pas ça, on en avait déjà parlé un soir, lui et moi. Enfin, un soir, on avait... Enfin, fumer un pétard. Lui, il voulait faire ça avec une fille. Et toi, avec un autre garçon? Bah oui, oui. On s'est endormis, ils sont jamais tombés d'accord, et puis on n'a plus jamais reparlé. C'est vrai que chez vous, les gays, c'est plus facile, vous êtes tous du même sexe. Ah ben, normalement, c'est plus simple. Oui, oui, plus simple. Au moins, quelque chose de simple. Parce que même à notre époque, hein, être Adam et Eve, c'est pas évident. Mais un truc qui est pas mal non plus, sont les clubs échangistes. C'est drôle, ça peut être très drôle. T'as déjà essayé, toi? Ça, c'est ma vie privée. Ça va, on est entre adultes, ma petite fille, tu peux tout me dire. Non, mais tu liras ça dans mes mémoires, je suis en train de les écrire, mais tellement à lire. Il faut faire le tri et j'ai horreur de chat. Par contre, avant de faire le tri, n'oublie pas que tu m'as promis de me raconter ton arrivée en Belgique. Toi, de me parler de ta vraie grand-mère, hein. Oui, je sais, mais là, faut que j'y aille, je dois rejoindre mon ex. Ah bah oui, on l'appelle comment? Ne me dis pas sur WhatsApp, je t'en colle une. Non, il s'appelle... On a qu'à l'appeler Yves, tiens, voilà, comme ici, on s'appelle Adam. Adam et Yves, on a fait le tour. Ouais, moi, faut que je fasse le tour de la ville, là. Ah, il crèche où, l'ex? À Jette, près du cimetière. Quartier très vivant. Très drôle, ça me tapait le tram. Excuse-moi, on n'a pas tous la chance de rouler en coupé sport décapotable. Oh, tu es aussi jaloux comme les autres, coupé sport décapotable. Et surtout acheté pour Shiva. Le chien? Oui. Il devient vieux, il commence à sentir de la gueule. Alors, encore grand, c'est pas du luxe. Mais fais-le détartrer. Enfin, il a 19 ans, je te dis, c'est trop tard.
Et puis je m'en fous, moi, qui pue de la gueule. Je l'aime comme il est. Et je te dirais qu'il y a des vieux qui puent tout autant, si pas plus, et qui remuent beaucoup moins bien la queue. Qu'est-ce que tu veux être vulgaire? La vulgarité est dans l'œil qui regarde, hein, pas dans l'objet de carte. Ouais, tu as toujours réponse à tout. Hein. Privilège de l'art. D'ailleurs, t'as quel âge? Beaucoup plus que tu ne crois et que je voudrais. Et bien moins que mes ennemis, imagine. Donc t'as des ennemis, toi? Bah oui, autant d'amis, ce sont parfois les mêmes. Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde tout le temps. Tu verras ça avec l'expérience. Oh, mais arrête, là, tu me saoules avec ton couplet sur l'expérience. Et un philosophe a dit, c'est une lanterne dans le dos, ça n'éclaire pas l'avenir. Non, mais c'est en éclairant le passé qu'on peut prévoir les obstacles à venir. Merci pour le cours de philo, mais il faut vraiment que je file. Alors, fais-toi un peu désirer quand même. Mais ça va, 30 minutes de retard, c'est assez, tu crois? Oui, assez pour le faire mousser. Non, plus, ce serait trop. Allez, file, Alma. Si vous le voulez bien. Mais après, il s'est passé quoi? Alors, je suis fichu le camp de chez moi et je suis entré dans une secte. Une secte? Oh, ça alors? Un groupe de jeunes dirigé par un gars plus âgé. J'ai su plus tard que c'était une secte. Trop tard. Ben, allez, mais vas-y, raconte. On faisait de la musique, on avait un potager. Ben, mais tu m'as déjà dit qu'il était plus vieux que toi. Il est le chef de la secte. Un potager avec des légumes. On les cultivait, on cuisinait, enfin on faisait tout ensemble. Tout. Oui, oui, enfin presque tout, on dormait ensemble, et pour le reste, c'est le chef qui choisissait. Ah, il était aimé, ça. On faisait la queue pour avoir la sienne. On était tellement beaux et tellement sexy. Bon, mais et puis Parce qu'il m'est arrivé à Riga, on est en amoureuse. Et enceinte. T'avais quel âge? Mais trop jeune pour la justice française, c'est pour ça que je suis venue en Belgique pour accoucher. Et puis, il s'est enfui en emportant mon bébé. Et t'avais quel âge? Oh là là, je te dis, trop jeune pour la justice française. Et tu ne les as plus jamais revus, t'étais parti comme ça. Oh, si, si, un jour, la police m'a demandé d'identifier un corps. Je l'ai reconnu tout de suite, hein, tu penses, un sexe de 40 cm, ça s'oublie pas. 40 cm. Mais on fait vraiment avaler n'importe quoi. Non, dis pardon, s'il vous plaît, t'es incorrigible, ça. Oh non, tu t'es encore bien foutu de ma gueule, hein, c'est ouais, ça? Je sais pas qu'être naïf, enfin, tout ça c'est faux, on dirait un épisode des Feux de l'amour. Ah, ça va, c'est pas drôle. Oh, tu m'as écouté pour jouer. Sois prudent à l'avenir, hein. Les véritables sectes, ça existe. Hein. Mon ami, là, le metteur en scène, il en a côtoyé une particulièrement insidieuse, hein, qui truquait les jeunes filles via une troupe de théâtre pour les inscrire après dans une école de philosophie qui avait pignon sur rue. Il a tout fait pour les dissuader en pur temps. Alors c'était organisé. Hein. Spectacle, repas où l'on rompait le pain façon Molière, enfin une véritable arnaque. Heureusement, personne n'est tombé enceinte. Mais les bourses ont accouché de sommes rondelettes pour satisfaire les besoins du monde. Merci pour l'info, mais j'ai les deux pieds bien sur terre, hein. Ça risque pas de m'arriver. Disons plutôt, pensons à ce qui va t'arriver. Alors, ton ancien ex. Futur ex. Ah bon, ça n'a pas collé, retrouvaille? Si, si, beaucoup trop bien, j'arrive plus à m'en débarrasser, il me suit partout comme un toutou. Enfin, il voulait même pas que je vienne te voir, il pensait que c'était un autre mec. Non. Mais si, je veux dire, à un moment, marre de sa jalousie, quoi. Je veux dire, je suis un mec libre, quoi, fidèle, sérieux, mais libre. Voilà. Ah oui, le combat toute ma vie.
Bon, ben, je te rassure, hein, le jeu en vaut la chandelle. Oh, dis donc, à propos de jeu, il faut que j'y aille, moi, question pour un champion. Tu regardes ça aussi? Oh, j'adore les jeux. Alors, quelquefois, je peux répondre, et quand je peux pas, je m'instruis. Jamais trop tard pour se cultiver. Ben, ça roule. À demain, alors, pote âgé. Oh, à demain. J'arrive. J'ai failli attendre. Ben désolé, hein. Vous êtes en retard, jeune homme. T'avais dit qu'il fallait que je me fasse désirer, alors voilà. Oui, mais je suis pas ton ex. Et en amitié, je suis à cheval sur l'oreille. Ah ben, ça tombe bien, je voulais te parler de ma grand-mère. Quoi, pas le rapport? Ben, le cheval. Tu t'expliques? Alors, elle était écuyère dans un cirque dans sa jeunesse. Ben, c'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré mon grand-père. Trompettiste dans l'orchestre du même cirque. Belle rencontre, dis donc, deux artistes et plus de liberté. Oui, au début, oui. Mais bon, après, le cirque a fermé, alors ils ont dû se reconvertir. Bon, pour lui, ça a été, hein, il a été pris comme musicien dans l'armée belge. Et puis elle, elle était avec son beau-père qui vendrait des batteries de cuisine en faisant les marchés, voilà. Mon Dieu, tomber du cheval dans ses ustensiles de ménage, la chute est vertigineuse. Ouais, bah, surtout que dans son ménage, c'était pas top, hein. Ah ouais, mon grand-père, ça a changé l'armée. Il est devenu dur, autoritaire. Enfin, un vrai petit caporal. Elle supportait ça, ta grand-mère? Ah ben, pas le choix. Hein. Bah, à la mort du beau-père, elle s'est retrouvée seule chez elle avec une batterie de cuisine. Bah, ménagère, quoi. Ouais. Bah, mon père a dit qu'elle avait supporté ça de nombreuses années sans broncher. Elle n'a jamais songé à divorcer. Ah non, mais pas à la campagne, non. On ne divorce pas là-bas. Non, non. On attend que l'autre meure pour être libre. Elle a attendu longtemps avant que le caporal avale son képi. Mais comme elle disait elle-même, je suis morte à 20 ans en me mariant et je suis née à 82 en devenant veuve. C'est surtout à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être proches, elle et moi. Ouais, tu sais ce qu'elle a acheté en premier à la mort de son mari? Non, dis-moi. Bon, alors une télévision et un tourne-disque. Deux objets interdits par le trompettiste. Alors on passait des heures et des journées entières à écouter les disques que je lui apportais. Elle adorait Pink Floyd, Yes, les Red Hot, Genesis, Coldplay, enfin tous les grands groupes. Et alors elle s'est inscrite à la médiathèque. Et toutes les semaines, elle louait des disques et des films. Alors, elle me disait qu'elle avait tellement de choses à rattraper qu'un cheval n'aurait pas suffi. Elle vivait vraiment à 100 à l'heure. Elle s'est mise à voyager aussi. Bon, alors pas très loin, hein. Des voyages en quart d'une journée organisés par la mutuelle. Alors ça la faisait beaucoup rire parce que sur le retour, le car s'arrêtait toujours dans une sorte de dancing où ils vendaient des batteries de cuisine. Bon, après avoir subi Robert Cobois et Franck Michael. Elle n'a jamais rencontré un autre jeune papy? Si. À 94 ans, oui. Elle a décliné une demande en mariage sur la terrasse du Carlton de Knokke-le-Zoet. Enfin, un beau jeune homme, hein, 83 ans. Bon, alors elle lui a dit « Je suis très flattée, mais beaucoup trop jeune pour me marier. Enfin, » de toute façon, les seules choses dont elle avait vraiment envie, c'était des pins toniques, des croquettes de crevettes et le bruit des vagues. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fini par s'installer là-bas. À Knokke? Non, trop cher, non, à Coxyde. Un petit appartement perpendiculaire à la digue. Un petit appart au rez-de-chaussée où elle a fini sa vie tranquille. Toute seule? Bah non, je venais la voir. Enfin, le maximum que je pouvais, un week-end sur deux et puis la moitié de toutes les vacances. Alors, on allait manger des gaufres et des glaces à la crème fraîche.
Puis je lui parlais de mes soucis, elle me conseillait. Et alors on passait des heures attablées à la terrasse du Robinson à regarder les passants. Elle me disait qu'ici, à la côte, des gens portaient des tenues qu'ils n'auraient jamais osé porter en ville. Et alors on était là et on passait notre temps entre fou rire, dame blanche et confidence. De vrais potes, quoi. Elle me manque, ma grand-mère. Mais la côte, c'est plus pareil sans elle. La côte n'a plus la côte. Mais tu peux pas rester sérieux 5 minutes. Non, je suis simplement de distraire d'une peine immense à ma façon. Et puis elle est là-haut, mamie. Hein. Peut-être avec mon Adam, ils sont tellement heureux qu'ils s'entendent bien ensemble. Oh, j'espère qu'elle va pas l'épouser, hein, parce que je suis très jaloux. Non, ça va, je pense pas que ça risque d'arriver. Non, par contre, il va bien s'entendre. Elle doit le considérer comme son petit-fils et lui raconter tout un tas de cochoncetés. Cochoncetés, je connais pas ce mot-là. Enfin, de cochonneries. Ah. En parlant de cochonneries, ton arrivée en Belgique. Bah, je la fais courte. Hein. Grand-mère très malade à Bruxelles, maman enceinte de moi jusqu'aux dents, accouchement dans le train à la frontière pour l'argent. Ensuite, elle est venue perpétuelle entre les deux pays, études primaires, secondaires, franco-belges. Conservatoire à Paris, université à Bruxelles. Ensuite, un mariage avec un noblio français qui les détestait, les Français. Et puis, épisode romanesque au Sénégal et grande histoire d'amour au Caire avec un Égyptien beau comme un pharaon. Ensuite, rencontre avec mon second mari, début difficile, problème financier dans une chambre de vol, le toit qui perçait. Gros fourrier à toutes sortes de métiers dont je t'ai déjà parlé, et en plus libraire, représentante en informatique, en layette pour bébé, enfin une vie ennuyeuse. Il ne se passait jamais rien. Et puis finalement, le théâtre. D'abord en France, puis en Belgique, et finalement ici, dans ce quartier très vivant du cimetière d'Ixelles. Eh bien tu vois, la vie et la mort sont jamais très éloignées. Mais finalement, il se passe autant de choses dans ta vie que dans les feux de l'amour. Non, on peut dire ça. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Encore mille et une choses qui m'attendent. Hein? Ben quoi? Bon, je suis sûr que le destin me réserve plein de surprises, bonnes ou mauvaises. Je suis au taquet. Ok. Ben moi aussi, alors, je vais voir ce que la soirée me réserve. Bon, au pire, il se passe rien et c'est bien, je me repose. Tu te reposes pas, jeune homme. Tu vis. Et surtout, tu me racontes demain. Compte sur moi. Au pire, je peux inventer aussi. Mais putain de répondeur, mais non, je m'en fous de réserver des places pour ton spectacle, je veux te voir toi. Non mais j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Mais à son âge, on ne sait jamais. Non, je ne peux pas penser à ça, c'est vraiment trop moche. Bon, allez, Jackie, ne laisse pas tomber, s'il te plaît. Oui, bébé, voilà, c'est moi, je pars, rappelle-moi quand t'as ce message, je suis mort d'inquiétude. Putain de répondeur! Je veux te voir, moi! J'espère qu'il ne va rien arriver. À hein. Son âge, on ne sait jamais. Ah non, ce serait trop moche. Je ne veux pas penser à ça. Alexis, ne me laisse pas tomber. Ah oui, c'est moi.
Réponds-moi dès que t'entends ce message, je suis morte d'inquiétude. Enfin, te voilà. C'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, non, toi d'abord, hein, honneur aux dames. Moi, je joue pas à ce jeu avec moi. Mais quel jeu? Ben, aux dames, c'est vous à l'échec. Je vous écoute, je l'ai fait. C'est mieux. Bon, ben vas-y alors. C'est Shiva. Ah, il n'est pas mort, au moins. Non, 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 plus une seule dent, sourd comme un pot, mais toujours gaillard pour courir la gueuse. Il s'est mis à la poursuite d'une jeune fleur de pavé qui tient le trottoir devant la maison. Une Asiatique, pour tout dire. Quoi? Une Pékinoise. Elle a fait l'œil et mon vieux caniche a mordu à l'hameçon. Il a passé la soirée et une partie de la nuit à les pister. Et tu les as retrouvés? Oui, emboîtés l'un dans l'autre, j'ai dû attendre que ça se passe. Pékinoise est partie, l'arrière-train fier comme Artaban, sans un regard. Traînez, que je lui écris. Bah, et Shiva? Oh, beaucoup moins fier. Il a la queue entre les pattes. Hein. Il a senti que je l'avais mauvaise. Il a dû se coller une museau contre ma cuisse. Un avantage, rentrer à la maison, c'est endormi comme une souche. Faut dire qu'à son âge, ça l'avait un peu bousculé. Mais je n'en veux pas, qu'il profite. Oh là là, qu'il profite de ces dernières années, parce que les jeunes n'ont pas été très drôles. Hein. Ben pourquoi? Ben non, quand je l'ai trouvé, il était enfermé dans un garage, battu par ses maîtres, une véritable loque. Tu sais que je souhaite la peine de mort pour tous ces enfoirés qui martyrisent leurs animaux. Ah ben voilà, oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas venue à notre rendez-vous dans le parc. Enfin, t'aurais pu rappeler quand même, j'ai laissé plein de messages. Mais moi aussi, j'ai laissé plein de messages. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, t'as pas d'animal, t'as pas de chien. Mais j'étais furieux, voilà, alors j'ai décidé de te poser un lapin. Animal pour animal. Comment? Enfin, œil pour œil, dent pour dent. Ah, oui, ça va, j'ai compris. Bon, alors là, on est quitte. Alors, toujours amis? Eh oui, toujours ami. Même refait plus un coup pareil, j'étais super inquiet. Mais moi aussi, hein, j'étais super inquiet. Pas me refaire un coup pareil non plus. D'autant plus que j'avais peut-être une bonne nouvelle à t'annoncer. Ben vas-y. Ben, mon ami le metteur en scène dont je t'ai parlé, là, il veut monter à Rôle des Maudes, tu connais? Oui, de Colin Higgins. Voilà. Il me cherche un partenaire. Alors je lui ai parlé de toi. Il veut te voir demain au théâtre. Non, c'est une blague, tu te fous de moi. Non, c'est une superbe histoire entre une dame éprise de la vie et un jeune homme un petit peu désabusé. Ouais, un peu comme nous, quoi. Ah oui, si tu veux. Alors, demain au théâtre. Ben ouais, mais je sais pas s'il serait capable de faire ça, moi. Enfin, je t'aiderai, lui aussi, de mettre en confiance. Il est doué pour ça. Hein. La première fois qu'il m'a dirigé, il a réussi à me faire jouer une lesbienne en cuir avec une cravache dans une pièce de courteline. C'est délicieux. Alors demain, au théâtre? Ben oui, demain au théâtre. Oh, et merci pour ce cadeau. Tu me diras merci quand on verra plus le travail. À commencer à jouer et que les spectateurs sont debout à la première en applaudissant à tout rond.
alors, Harold? Tu en penses quoi? La vue est magnifique. Sans vous, jamais j'aurais pensé grimper là-haut. Découvrir un autre point de vue, rien de mieux pour voir la vie autrement. Crois-moi. Maud, il faut que je vous dise quelque chose d'important. J'ai pris une grande décision ce soir. Moi aussi, j'ai pris une décision vitale. Je fête mon anniversaire demain. Je veux le fêter dignement. Il faut célébrer les événements importants dans la vie. Et justement, depuis qu'on s'est rencontrés au fil des semaines, j'ai de moins en moins pensé au suicide. J'ai envie de vivre pleinement avec vous, Maud. Je vous aime. Mais moi aussi, je t'aime. Beaucoup. On s'est bien mariés ensemble, non? Surtout en assistant aux enterrements. C'était presque chaque fois une fête. J'ai toujours envie de rire, moi, quand je suis avec vous. Je me sens tellement, tellement vivant. Et demain, je veux que votre anniversaire soit inoubliable. Impossible. Je pars pour un très long voyage. Ce voyage est prévu depuis longtemps. Et le jour J est fixé. Pour demain. Si vous partez pour un long voyage, je ne peux plus attendre. Maud, voulez-vous m'épouser? Ah, oh. Tu es fou. Mais oui, de vous. Oh, laissez-moi partir avec vous. On se marie demain et puis on part ensemble où vous voulez. Oh là, je vais, tu ne peux pas m'accompagner. C'est un voyage sans retour. Mais merci pour ta proposition. Garde-la en réserve pour la jeune fille que tu ne manqueras pas de rencontrer et qui saura te rendre heureux. Ce sera le plus beau cadeau que tu pourras me faire. Mais c'est avec vous, moi, que je suis heureux. Non, mais partez pas, s'il vous plaît, laissez pas tomber, je peux pas vivre sans vous. Mais si, tu peux. Maintenant, tu peux. On a appris ensemble. Maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Je serai toujours là après toi-même, si tu me vois pas. Je serai perdu sans vous, je survivrai pas. Mais si, tu survivras, tu dois vivre pour toi. Oh, bien sûr, ce ne sera pas toujours facile. Et quand tu seras au plus bas, prends le temps de regarder par-dessus ton épaule. Je serai là, près de toi. Mon souffle te poussera en avant. Toujours. Adieu, Harold. Maud! 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 Je vais vivre en vous attendant. Et même si vous revenez pas, bah je vivrai avec l'espoir. J'ai enfin envie de vivre, Maud. Et si c'est pas avec vous, bah ce sera pour vous. Je vous ferai honneur en étant heureux. Je vous le promets, Maud !
Je vous le promets.